Et bonjour à tous, c'est Mister Gecko. On se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de ma découverte sur Void Bastard. Alors je sais plus si je vous l'avais déjà montré, mais je voulais juste vous montrer ce magnifique écran d'accueil qui fait comme si la page d'accueil était une couverture de comics. Je la trouve super jolie. Voilà. Donc dans ce troisième épisode de ma découverte, je vais vous montrer une partie qui est quand même assez avancée. Je veux pas trop vous spoiler non plus, donc on va faire. Donc ce sera le dernier épisode de ma découverte. Ok. Donc voilà, j'ai débloqué pas mal de choses. J'ai des nouvelles armes. Tiens, je peux fabriquer celle-là d'ailleurs. On va peut-être la débloquer. J'ai pas mal de composants. Là, je crois que j'étais mort la dernière fois et que je venais juste de revivre. Ouais, peut-être bien. Alors là, hop, on va essayer de débloquer ça. Donc il me faut un tube pneumatique. On va juste aller voir ce qu'il faut pour fabriquer le tube pneumatique. 80 plazes et des scories. Les plazes, j'en ai pas beaucoup. Les scories, j'en ai beaucoup. Ouais, allez, on va le faire. Hop, on revient à l'atelier. Ah, tiens, j'en ai besoin pour ça aussi. Ça, ce serait pas mal. 5% de chance de mettre des déchets dans les conteneurs. Ça, ce serait bien aussi. On va essayer de s'améliorer un petit peu là. Hop, on va acheter ce truc là, ça a l'air pas mal là. Une clé méca. Une clé méca. Là. Des scories et des volts. Ouais, allez, vas-y. Il n'a pas besoin de beaucoup. Tac, bam. Donc, enfin, de toute façon, de manière générale, voilà, on a l'impression d'être dans un comics, quoi. Ça fait des cases de BD et tout. Je trouve que ce style est très très beau. Ça, c'est pas terrible. Améliorer les chapeaux. Instable, libère des bombes de poumons en chaîne. Quand il meurt. Oh, c'est pas mal ça. Ça, c'est plutôt bien ça. Parce qu'il attire les ennemis. Et si en plus il fait une boum en chaîne, laisse tomber, c'est trop puissant. Bah vas-y, on va le faire ça. Alors il me faut une recette d'ado et du Chatterton. Alors, recette d'ado, c'est où c'est là? Ouais. Et du Chatterton, allez. Hop. C'est parti. Ok. Ça, je m'en fiche, ces trucs. C'est pas indispensable pour le moment. Et là, il me faut une horloge atomique. Et l'horloge atomique, il faut que je la récupère. Donc, on va commencer à y aller. Donc là... Ouais, c'est ça, je venais de mourir. J'ai 3 sauts. Ok, donc là, je suis au Void Arc. On va aller voir où c'est qu'on va. On va se déplacer comme ça. Tac, tac. Carburant caché quelque part. Ah non, les Zeks, je les déteste. C'est le pire ennemi, donc on va même pas s'arrêter là. Là, il y a quoi? On va aller là-bas. On va aller là-bas. Bah tiens, recette d'ado. Alors, on va aller là-bas. Clac. Là, il y a quoi? Oh, d'accord, il y a rien du tout, et en plus, c'est le bordel. On va aller là-bas. Les autorisations coûtent 0 passe. Ah, ça, c'est bien. Les citoyens portent des passes, ça, c'est cool. Les citoyens, des moindres profondeurs. Ah oui, donc ils sont moins forts, en plus. Parfait. Alors eux ils sont easy et eux ça va. Donc on va rentrer dans... On va aller là-bas. Bah, donc en fait je pense qu'il faut... Au bout d'un moment il faut faire ça. Tiens j'ai pas... Ça m'a pas bouffé de carburant. C'est bizarre. J'étais bien à 3-3 là. Bon bizarre, on verra. Là il y a quoi? Faut se rien qu'on trouve de la nourriture. Là il y a du carburant. Après on va partir là-bas. Là-bas il y a quoi? Un levier. Waouh. Les Zeks, ils sont horribles. C'est ceux qui ont un espèce de... Enfin, vous verrez. Si on les croise. Ils ont un espèce de bouclier sur eux et... On est où, là? On est au profondeur 4? Ah, d'accord. On est remonté, en fait. Parce que la dernière fois, j'étais au profondeur 5 et on était quasiment au centre de la nébuleuse, du coup. J'ai l'impression que les profondeurs 4, c'est le... Enfin, le profondeur 5, c'est le dernier niveau. Bon, alors, on va faire ce niveau, là, qui a l'air pas trop compliqué. On va tester ces fameux chabots. Oh, remarque, non, il n'y en a pas besoin, là. C'est les ennemis, c'est eux, là. On va se prendre... Ah, putain, par contre, j'ai plus de balles du tout, moi.
Quelle horreur. Lance une boule de gaz explosif de nébuleuse. Ouais, ça lance roquette quoi. On va prendre le pistolet et là on va prendre ça contre eux, c'est efficace. Ah ouais, donc en fait quand je meurs je perds toutes mes munitions. Putain, j'avais balles de munitions en plus. Je suis deg. Je suis un peu deg là, j'avoue. Alors, le truc est tout en long. Bon, on va y aller, hein. De toute façon, allez hop. Allez, go. On va commencer par le FTL là. Donc là, ça me coûte 0 passe. Alors, eux, c'est pas compliqué. Hop, hop, allez, salut, je me casse. Voilà, boum, il a explosé. Il y en a d'autres là-bas. Allez, boum, ils explosent. Ah ouais, ils ont des... Ah, il y a un lance-roquette là-bas, on va faire gaffe. On le voit au loin. Oh, des passes, trop bien. Ok, donc lui va me tirer dessus. Qu'est-ce qu'il y a là? On va essayer de le récupérer. On va le pirater. Allez, autorisation. Wow. Ok, il est avec moi. Très bien. J'ai perdu un petit peu de vie, mais c'est pas grave. Allez, on continue. Hop. Allez, chou. Alors eux, ils explosent, ils font très mal. Bon, c'est des petits, alors du coup, peut-être que... Ah ouais, par contre, ils ont un pass à chaque fois sur eux. Super. Alors là, il y a l'atmosphère, là, il y a le générateur. Alors, générateur. Ah, il y a un truc qui fait des passes. Déverrouillé. Ah, c'est gratuit, c'est vrai. Cool. Cool. Ah, ça, c'est bien. Cool. Oh, ça, j'en avais besoin en plus, je crois. L'oxygène, on reviendra plus tard. Ah, c'est tout au bout. Téléport, c'est quoi ça? Oh merde. Oh, sérieux déjà? Ça allait super vite. Ouais. Ok, donc il y a un secbot qui est actif. Faut que je fasse gaffe. Oh, attendez, hop. Oh là. Oh là, mais il y a un secbot là-bas qui me défonce la gueule. De loin. Oh! Quelle horreur! Est-ce que je peux l'étourdir avec ça? Je l'ai raté. Oh, ils sont chauds les secbots. Boum! Allez. Wow! Qu'est-ce qu'il fait lui? Eh, il est toujours. Ok. Alors là, c'est tout verrouillé du coup. Oh merde. Non, c'est bon. Ah, là, il y a ce câble électrique par terre, ça m'embête un peu. Tiens, toi, tu vas mourir. Oh punaise. C'est quoi ça? Ramasser. Oh là là! Quelle horreur! Allez, barre-toi, toi. Putain, ils font trop mal! Il y a plein de trucs à ramasser là, c'est quoi ça? Salle de téléportation vide. Allez, vas-y, viens là. Je sais pas ce que ça fait ça, mais... Ça a l'air pas mal. Vas-y, viens là, voilà, parfait. Oh, ça a rien fait. Merde, 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 merde. Oh putain, il me défonce. Oh là là, il me défonce tellement. Vas-y, faut qu'il vienne là-dedans. Non, mais non. Viens dedans, abruti. Ok, il est débile, il a marché sur le câble. Je peux le tuer, peut-être. Je lui fais zéro dégâts, quoi. C'est où son point critique? Ah, je peux le pirater. Yes. Ça, c'est une bonne idée, ça. Allez. Cool. Réapprovisionner. Ouais, par contre, c'est un gros débile. Alors ça, ça fait quoi? Ramasser? C'est quoi, ça? Clé de téléportation. Nye. J'ai pas compris ce que ça faisait, ça. Salle de télé... Une utilisation disponible. J'ai pas compris ce que ça faisait ça. Bon, tant pis. On a bientôt plus d'oxygène. On s'est fait défoncer la gueule. Hein. Vous voyez que c'est quand même vachement plus dur. Hein.
L'oxygène, c'est où? On est dedans. C'est là. Oh, de la bouffe. Oula, je suis désolé. Je suis désolé. Oula, toi. Boum. Toi aussi. Ah, mais ils ont vraiment un seul pass à chaque fois, quoi. C'est la plaie, ça. Hop. Oh, la tourelle. Oh, la tourelle. Allez. Putain, mais ça a pas marché. Ça va... Ah, si, ça y est. Ah bah j'avais juste à désactiver la sécurité, moi je suis débile. Alors là il y a un truc. Voilà, oh, j'ai plus de vie quoi. Je me suis fait défoncer. Pourtant c'est... Mais... Ah oui, il tire sur les machins. C'était censé être un niveau facile. C'était censé être un niveau facile. Oh là là là, je serais mort là. Si je l'avais pas évité, je serais mort. Par contre, ils pourraient avoir plus d'impasse sur eux, ce serait bien quand même. Bon, déjà, au moins, il y a plein de trucs qui vont me coûter rien du tout. Bon, on va essayer de rusher un peu plus parce que là, on va pas bien vite. Oh là là! Oi, oi, oi. Eux, faut faire gaffe, hein. Alors là, il y a plein de trucs, on ramasse tout. Hop, hop. Allez, on s'en va. Il y a des trucs encore. Je crois que j'ai trouvé ce que j'étais venu chercher. On va essayer de se dépêcher là parce qu'on a... Oh, putain. Vas-y, tire. Oh non! Oh, je vais mourir. Voilà, bah, je suis mort. J'ai le truc pour me faire revivre normalement. Voilà. Raviveur cardiaque. Très bien. Ça a tout pété. Voilà. Il y en a un autre là-bas. Allez, je l'ai piraté. Pff, quelle horreur. Oh là là. Eh ben, c'était chaud. Hein. Heureusement que j'avais mon raviveur cardiaque. Heureusement que j'avais mon raviveur cardiaque. Bon, par contre, faut que je me bouge les fesses. C'est. Pouf, eux, ils font mal aussi. Bon. Allez, on essaie de se dépêcher parce qu'on a bientôt plus d'oxygène. On fouille en regardant tout quand même. Oh là là, mais il y a des tourelles de partout. Quelle horreur. Mince, fallait que j'aille au sanitaire, il y avait deux trucs là-bas. Ah. Allez, dépêche-toi de t'ouvrir, toi. Oh putain, voilà, ils font mal, c'est ce que je disais. Putain, mais quelle horreur. Bon, en plus, je fais pas attention, je fais un peu n'importe quoi, je vais un peu vite. Hop, on a 50% d'oxygène et faut qu'on se barre d'ici. Tiens, il reste des trucs là. Hop. Ah. Ouah. Ça pique. Bon, heureusement que j'ai rapidement pris le gros bouclier. On peut pas aller à la. Merde, je peux pas aller à la barre, tant pis. Allez, on se casse. Oh là, il y a des champignons là. Voilà, ça c'est les champignons. Si on marche dessus, on voit tout bizarre après. Les couleurs sont toutes modifiées et tout, c'est touriste. Piou, voilà, ça a tout pété là, bam bam bam. Allez, on rush ici. Il est toujours là, lui, toujours coincé dans son truc. Et je peux toujours pas faire ça. Je ne sais pas. Ok, donc. Est-ce que j'ai vraiment besoin de passer par l'oxygène? Oui. Hop, on s'en va. On a tout récupéré, on s'en va. Je suis passé là, oui. Bah dis donc, pour une mission facile, j'aurais perdu mon truc qui me fait revivre. Des clés de téléportation, j'ai aucune idée de quoi ça sert. Ok, donc j'ai reçu deux trucs jaunes là, c'est bien ça. Oh, j'ai reçu pas mal de bouffe aussi, ça c'est cool. On va pouvoir aller directement chercher le truc qu'on a besoin, je pense. Ok. Parfait. Tiens, une sarbacane radioactive. Je peux l'améliorer déjà? Bago. Bago l'améliorer. Hein. On a ce qu'il faut, hein. On va pas s'en priver.
Autorisation moins coûteuse et plus rapide. Le AR 938 circulaire et les règles de transit. Je pense que j'ai pas assez pour faire les deux, à mon avis. Il est où? Je vois pas. Ah là. Ah, 80 et 240 de données, ouais, c'est ça. Et l'autre, c'était lequel? Les règles de transit. 40 données. Ah si, peut-être. Et si. On va pouvoir faire ça alors. Tac. Voilà. Ça c'est quoi? Autorisation plus rapide et moins chère pour les fonctionnalités supplémentaires du terminal. Ok, ça c'est pas mal, ça me permet d'acheter des trucs moins chers. Ok, donc là on va là, direct. Jet. Ok, on a trouvé 3 carburants, très bien. Ce qui va nous permettre d'aller de sauter des trucs, parce que j'ai pas envie de m'arrêter sur des trucs comme ça là. Ça va être pénible. Oula, faut que je fasse gaffe à la baleine du néant là. Est-ce que je vais là ou est-ce que je vais là? Non, je vais aller là. Ah, je vais pas pouvoir. Vous mourrez. Ah bah fantastique. Bon bah voilà. Génial. Super. Elle est venue sur moi. J'avais pas trop le choix. Oh, rose. Délit, travers, hors des passages protégés. Traverser hors des des passages protégés. Bon coureur, c'est-à-dire que je dois aller plus vite sûrement. Laisse parfois tomber des déchets transportés. Oh non. Quelle horreur. Bon, j'ai reçu un peu des trucs, 3 de nourriture, 3 de carburant, comme d'habitude. Des passes, 30, super. J'en avais 70. Une horloge atomique. Ok. Ok, ok. Donc là on repart du Void Arc du coup. Et on repart sur un truc aléatoire. Oh, ça ce serait pas mal ici. Venir ici ce serait pas mal. Il y a des munitions cachées en plus. Eux ils sont super faciles à éviter. On va faire ça. Eux, ils sont pénibles un peu. On va venir là. Clac. Et on va dock ici. On va prendre la sarbacane, le pistolet et ces trucs étourdis. Ouh, les chabots. Les chabots. Est-ce qu'avec ça, on peut étourdir les tourelles? J'ai jamais essayé. Ce serait pas mal, ça. Alors, ouh, cargaison. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses. On va aller d'abord au FTL, on va faire le tour comme ça. Espérons qu'il n'y ait pas trop de tourelles là-dedans. Ça, c'est un peu la plaie, les tourelles. Piou! Boum! Voilà. Voilà comment on s'occupe d'eux. Ah, mais ils laissent des radiations derrière eux. Oh, quel enfer! Oh là, quel enfer. Hop, des boomers. Hop là, ouais, 76 de radiation, fantastique. C'est une caméra là. C'est quoi là? C'est un générateur, merde. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui s'est passé? Surveillant, je peux le tirer dessus. Ok. Oh merde, j'ai marché dans un truc là, non? Boum! Radiation. Oh là là. Ah bah tiens, ça va être l'occasion d'essayer ça. Est-ce que... Oui, ça marche, fantastique. Allez, vas-y. Est-ce qu'il y a un truc? Non, il n'y a pas de truc évidemment. Ah si, là on pourra éliminer les contaminations, parfait. Parfait. Bon. Oh là là. Ah non, j'ai cru qu'il y avait un... C'est un peu chiant ce machin qui met des radiations. C'est un peu chiant.
qu'il y a là-haut? Une cassette, ok. Oh là là. C'est un peu relou ça quand même, hein. On est d'accord. On va pouvoir les éliminer, mais j'ai loupé la moitié des choses, là, on est d'accord aussi. Oh là là. Hop. Hop. Peut-être mieux éviter de les tuer, en fait. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc là, j'ai fait le tour. On va aller là-bas dedans. Je vais perdre des PV. Tout... Boah. Oh non. Est-ce que je peux faire... Oh là là. C'est bon ou pas? Oui, c'est bon. Ok, alors là, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Ouais, ça c'est bien. Ça c'est cool, ça m'améliore les trucs que j'ai sur moi. Voilà, 50 scories là. Hop, là il y a un truc. Est-ce que ce serait pas ce qui me manquait là? Non. Donc là, faut que j'aille là-bas maintenant. Ok, il y en a de partout. Oh là là. Quelle horreur. Boum. Boum. Ok. Hop, comme ça on voit tout. Ah oui, je suis pas allé au FTL. Il y a trois carburants. Il y a pas mal de choses. C'est bien. C'est où l'atmo? C'est là-bas, putain. J'avais pas vu, je suis déjà quasiment à sec. Ah hop, 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 hop. Alors là, c'est où ça? C'est là-bas? C'est dans l'habitat ou c'est de l'autre côté? On dirait bien que c'est dans l'habitat. Bon, hop. Oh là là, quelle horreur. Je suis irradié, hein. Vraiment. C'est tout ici. Heureusement, là, on a un truc pour enlever les radiations. On va y aller tout de suite, d'ailleurs. Bah c'était là, je suis con, moi. C'était là. Hop, donne-moi ça, toi. C'était là. Hop là. On repart à zéro, ce sera pas plus mal. De toute façon, les radiations, elles vont s'en aller quand on va... J'ai abandonné un tasseau, putain. Ah oui, il perd des trucs, mon gars. C'est pénible. Ah, il y a un truc par terre, là, non? Un stylo. Un stylo. Alors là... Il y a un truc ici. Il y a un truc par là-bas. Oh, putain. Je suis pas visé en plus, moi, bravo. Super. Ouais, il va me péter dessus, lui. Bon, alors ça va, ils font pas de trucs. Allez, dépêche-toi. Ils font pas de dégâts. Ouais, ils font pas de dégâts quand ils explosent. Oh, pas trop. Oh. Ok, oh là là, quelle horreur. Oh là, les radiations. Je suis à 700. Super. Hop. C'est là, je vais prendre cher là en vie. Oui. Oh putain. Allez, si ça pouvait l'arrêter pendant un bon moment. Allez, là, il faut que je me dépêche. Hop. Oh là, il y en a encore. Il y en a un là, ouais. Hop. Alors là, on va se dépêcher. On est à 5 en oxygène. Oh là. Faut que je me bouge les fesses. Faut que je cours à l'atmo. On va courir à l'atmo. Raté. C'est où l'atmo? C'est là-bas. Clac, là tout droit. Atmo, c'est où? C'est là. Hop là. Waouh. Mon niveau de radiation commence à être critique, j'ai l'impression. Tiens, pendant qu'on est là, est-ce qu'on irait pas ici? Oh non! Tant pis, allez hop, tac. Allez, voilà. Clac, on va au FTL, on récupère un chat. Ouais, le son est enfin, le son est bizarre aussi. Hop, allez, on essaie de se bouger les fesses. Non, je veux pas m'échapper tout de suite, il restait des trucs là-bas. Est-ce que ça vaut le coup vraiment? Non, je crois que je vais rentrer, tant pis.
On va rentrer. Hop. Bouh. Ça va nous faire redescendre notre... Oula, on a récupéré masse de carburant, dis donc. Paf. Tchac tchac tchac. Tchac tchac. On recycle tout. Boum. J'ai eu 100 scories. Beaucoup de scories. Ok. Ça, on va le récupérer parce que c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Clac, clac, clac. Donc, vous voyez, quand on joue, si on se débrouille bien, on débloque pas mal de choses. Je suis mort, hein, déjà, une fois, on est d'accord. Raviveur cardiaque. Ah non, pas avec elle. Fantastique. La baleine du néant. Là. Évidemment, elle va me sauter dessus à tous les coups. Là, on va y aller. Non, c'est bon, elle s'est barrée. Il faut qu'on aille ici. Récupérer l'horloge atomique. Oh là là. Quelle horreur. Ça va être du rush, mais vraiment. Là, il y a quoi? Ça et ça. Je m'en fous. Eux, ils sont pénibles aussi, les patients. Là. Hop. Ah mince, j'ai plus de bouffe. J'ai plus de bouffe. Nourriture. On va aller là-dedans. Allez, on va perdre un peu de vie là. Et on va aller là-dedans. On va prendre le lance-roquette. Non, peut-être pas quand même. Le pistolet. Je sais même pas quoi prendre là. C'est quoi? Des ados et des machins? Ouais, ça sera pas mal. Ça, ça sera pas mal. Ça, en vrai, c'est bien finalement. Mais bon, on va prendre ça. Ok, on va se faire cette mission et puis après, après je m'arrêterai. Donc là, on arrive là et on repart là-bas. Ok, c'est marrant. Donc là, on va aller à gauche direct pour aller à la barre. Oh, y a pas de lumière, j'avais pas vu. Quelle horreur. Mon dieu. Oh, c'est verrouillé en plus. Tiens, va là-bas toi. Oula, tiens-moi pas dessus. Va voir mon petit chat là-bas. Va voir mon petit chat qui va exploser. Voilà, il va te péter la gueule. Oh non! Voilà, voilà. Exactement ce que je redoutais. Là, il y a un guard-boat. Il est où le truc? Il est là-bas. Allez, on rush. Tant pis. Boum. Allez. Wow, 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 wow. Pourquoi ça pète de partout là? Voilà. Vas-y, allez là-bas, vous. En plus, faut pas que j'aille là-bas. Faudrait que j'aille. Oula! Ok, on va passer par là-bas, tant pis. On rush, voilà. Merde, j'ai fermé la porte, moi, comme un con. Ils disent beaucoup de gros mots, hein, les ados, là. Tiens, vas-y, hop, je te jette ça là-bas. Oh là là. Je crois qu'ils ont pété là-bas. Non. Ils ont beaucoup de vie. Boum. Est-ce qu'ils ont lâché des trucs? Non, que dalle. Bon, allez. Alors là, on va aller au bout. J'espère qu'il n'y a pas un lance-roquette au milieu. Oh putain, caméra. Oh non. Oh là là. Quelle horreur. Quelle horreur. On va verrouiller la porte. On va aller là. C'était quoi ça? Oh putain, ils ont ouvert la porte. Tiens. Oh, le garde-bot est là-bas. Je vais me faire défoncer. De la nourriture, oui. Allez, ouvre ça. Voilà, allez, on se dépêche. On se dépêche, on se dépêche. Oh là, il me fait trop mal. Allez. Ok, oh putain. Oh vas-y, il fait trop mal. Oh là là. Je vais crever, non? Allez, dépêche-toi. Ouvre-toi. Putain de porte, allez. Allez, on s'en va. Il faut qu'on parte d'ici vite. Oh là, mais il me tire dessus. Bah, je suis mort, voilà. Ah mais non, je vais revivre. Ouais, j'ai mon raviveur cardiaque. Pff, quelle horreur. Ok. Bon, alors il y a deux possibilités, hein. Soit je suis très nul, soit ce jeu est très très dur.
Ce jeu est très très dur. Bon, je suis pas très bon aussi, mais... Ce jeu est très très dur quand même. Ok. Oh putain, une caméra. Oh bordel. Allez, où moi ça, France dépêche. On a juste ramassé le carburant parce qu'il y en avait plein. J'ai vu qu'il y en avait un paquet. Là. Voilà, et ça c'est fermé. Donc on n'a pas le temps. Hop, on s'en va. Oh là là, il y a le truc qui arrive. Hop. Oh. C'était chaud, chaud, chaud. Bon, j'ai ramassé masse de bouffe. Ça c'est très bien, j'ai ramassé deux trucs quand même. Cool. Cool, cool, cool. J'ai très peu ramassé de trucs pour la construction par contre. Ah, je peux améliorer mon boom en chaîne. J'utilise pas, c'est trop... C'est trop lent en fait. Ça serait pas mal d'améliorer le pistolet. Irrigateur de colon. Régulateur rapide augmente la cadence de tir de 50%. Juste ça. Ouais, bof. Il faut que je construise un irrigateur de colon. Non, on va pas faire ça. Eh ben, on va aller là-bas. On va faire jet et on va y aller. Voilà, vous voyez, on est dans la dernière profondeur, là, j'ai l'impression. Après, on est au bout de la nébuleuse. Eh ben, écoutez, moi, sur ce, je vais vous abandonner là. Parce que du coup, je pense que je suis pas très loin de la fin du jeu, à mon avis. Donc comme ça, vous aurez vu un petit peu, avec mes trois épisodes de découverte, le début du jeu, une partie mid-game, et là, une partie assez avancée, on va dire. Voilà, donc moi, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne continuation, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous, ciao !